Hey, salut tout le monde et bienvenue sur Francy Gaming. On se retrouve pour un nouvel épisode sur GPS4 avec le Brésil. Donc nous sommes en guerre contre la Corée du Nord. Et on va essayer de pas trop faire de montage parce que je vais parler en constamment. Donc vous allez pas forcément vous ennuyer. Il y a nos trois bases qui ont été créées. Je souhaite faire des demandes au niveau de l'armée. Faire plus de tanks. Je voudrais que par exemple on demande à la France de nous faire une centaine de tanks de level 3 tout simplement parce qu'on en a besoin. Ouais, on va pas augmenter quand même. On va leur mettre 100 tanks. Allez, je voudrais bien en avoir au moins 500 quoi. 100 millions, donc 3 milliards de bras, c'est rien. Je demande. Oui, il nous faut plus de matériel militaire beaucoup plus puissant et beaucoup plus beaucoup plus puissant quoi. On en a besoin de ce matériel militaire de toute manière. Il faut bien qu'on se développe de manière sociale, de manière économique aussi, mais aussi de manière militaire. On ne peut pas laisser tout ceci. On doit se développer au niveau militaire. C'est une obligation. Enfin, c'est une obligation. Oui, c'est une obligation. On doit les aider. Enfin, on doit s'améliorer. Alors, il nous faudrait des lance-missiles de rang 2 aussi. Entrer en renégociation. Je suis d'accord. Et je voudrais aussi que ça soit la France. Hop. Je voudrais avoir des lance-missiles. Je voudrais en avoir au moins 500. 4600. Je sais que tu vas me le mettre un peu plus cher. Donc, c'est pas grave. Ça va me coûter assez cher. Mais franchement, si c'est pour améliorer tout ça, eh bien, je suis pas contre. Hein. Franchement, je ne suis pas contre du tout, du tout. Il faut bien qu'on s'améliore. Coup de la guerre contre la Corée du Nord. Brésil, manifestation, je suis sûr c'est les pacifistes. Oui, c'est sûr, ils aiment pas quand il y a de la guerre. Hein. Les toi, je veux juste que tu rentres dans la base navale. Contrat en renégociation, 13. Bon, tu me coûtes un peu plus cher, mais j'accepte. Exemplarité. Ah, mais on est bête, on aurait pu le faire avec le Royaume-Uni. Pourquoi ? Parce qu'on aurait pu améliorer notre force. Enfin, c'est meilleur. Ah, les pacifistes. Bon, c'est pas étonnant. Alors, militairement, on va aussi améliorer des choses. Ah, ben, en tout cas, le chef des armées nous aime bien. Hein, ça, c'est sûr. Conflit. Hop, armée. On fait beaucoup de demandes. Ok, je voudrais aussi des hélicoptères de rang 3, mais ça on verra plus tard. Les drones, on n'est pas très développé au niveau des drones. Je voudrais avoir plus de chasseurs et aussi améliorer notre armement stratégique au niveau des. Oh, merci. Merci. Merci en tout cas. Miam, miam. Mon petit casse-croûte. Oh, ça fait trop du bien. Oui, en fait, il est tard, là. En fait, chez moi, il est 19h34. Donc, c'est un peu l'heure de manger. Parce que moi, je me suis dit, bah, j'ai faim. Bon, bah, tant qu'à faire, on va se faire un sandwich. Comme ça, ça sera fait. Bien sûr, je mangerai pas devant vous, hein. Enfin, quoique, un petit peu. Par exemple, là, je suis en train de manger un bout de jambon. Mais ça s'entend pas que je le mange. Donc... Ben c'est ma... Je suis trop fort. Écoutez, je suis trop fort. En tout cas, c'est ma mère qui m'a fait ça. Et je la remercie. Parce que je lui avais même pas demandé. J'avais faim, mais je lui ai pas demandé. Et bon, bah ok. Ben, c'est gentil. Bonne nouvelle. Oh. Nos résultats budgétaires du dernier trimestre font apparaître une trésorerie en excès. Ceci va nous permettre de résorber notre service de la dette. Continuons comme ça. Ouais, d'ailleurs, on va regarder au niveau de notre dette. Elle croule. Elle était avant de
66% maintenant, elle est à 33%. Oh là là, c'est qui les beaux gosses? Mais c'est qui les beaux gosses? Franchement, bah c'est nous. C'est nous. Ah là 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 là. Corée du Nord, Allemagne. Ah, ils sont arrivés. Les Allemands sont arrivés. Qu'est-ce que c'est? Et le Royaume-Uni est arrivé, je suppose. Mais nous, nos militaires, ça arrive. Hein. Oh, le chasseur, il va beaucoup plus vite. Incroyable. Ah, oh, bah, elle est morte. Bah, tiens. Bien sûr qu'on va venir. Bien sûr. Quand même, la doyenne de la nation. Un minimum de respect pour cette dame. Finances publiques. Ah bon? Ouais. Donc, on essaie d'améliorer. La ministre de la famille menace notre action. Vous êtes en train de donner un bon bol d'air à notre pays. C'est fort louable. En tout cas, il m'aime bien. Le secrétaire général du mouvement de, des Verts. De toute façon, bah oui, hein, c'est sûr. Le Parlement. En plus, on a la majorité. Je voudrais juste voir un truc. Est-ce qu'on a, on a le référendum? De toute manière, pour le moment, ça ne va pas me servir. L'ONU... temporaire, le membre, demander le statut de membre permanent, allez-y. Ah bon, bah c'est quand qu'ils vont venir, enfin c'est quand qu'il y aura la guerre là, parce que bon, c'est pas que pas qu'ils arrivent, mais ils arrivent quoi. Après, en plus il y en a qui arrivent par là quoi. Oh, ils arrivent de partout, c'est incroyable. Nos agents. Ah mince, quel dommage. Moi qui voulais les saboter un petit peu, hein, voilà. Je crois qu'on soutient l'Iran comparé à l'Arabie Saoudite. Si je dis pas de bêtises, on va voir ça. Ouais, donc c'est normal. D'ailleurs, on va aider l'Iran. Parce qu'il y aura bientôt aussi une guerre entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Donc, pourquoi pas prévoir ça. Hein. Alors, la Corée du Nord, on capitule pas? Requête retenue. Ok. Pour battre le... Vous battre le fer tant qu'il est chaud. Mais oui, je sais. En fait, ils mettent que, ils ont que des tanks, hein, je trouve. Corée du Nord, ils ont même plus d'hommes. Ils en ont même pas. Ils sont juste à Pyongyang, je suppose. Ah bah ouais. Ça craint ça. Il y a Israël qui arrive. Et eux, ils vont aller où? Pourquoi ils vont dans cette ville? La croissance de l'année. Voici donc nous. Bon. Le taux de chômage stagne. Attendez, ils vont où là, mes soldats? Alors lui, il va là, ça je sais. Mais vous, vous allez où? Parce que je vois pas concrètement où vous allez en fait. Cette ville ou l'autre ville? Non, ils vont dans la ville qui est au sud. Enfin, qui est à côté. Ok. Là, ils vont passer par le canal de Panama. Qui est très joli d'ailleurs. Waouh! Que c'est magnifique! Et la capitale de Panama, c'est Panama! Oh, mais c'est nul ça! Wouh! C'est nul, nul, nul! Allez, Panama! On vous aime! Il n'y avait pas un truc qui devait passer par le Canada? Enfin, je sais plus. En tout cas, l'autre, il est arrivé. Hop là! Opération militaire. Lance missile, ok. Hélicoptère en 3. Non. On va faire des drones. Les drones, on va le demander aux États-Unis. Même si je n'aime pas trop leur demander des choses. On va en demander 5 ans. Or, pourquoi pas en leur demander 100 tant qu'on y est.
Moi, j'en ai bien envie d'en avoir un peu plus. Les chasseurs, on va demander au Royaume-Uni aussi. Voilà, on va demander un petit peu à tout le monde. J'en voudrais 100. C'est super cher, hein. Pouah. 60. Hop là. Je sais que tu vas augmenter tes tarifs, donc on va le mettre à comme ça. On va le mettre à comme ça. Oui, Francie. On va le mettre à ce prix plutôt. Incendie criminel. C'est inadmissible. Un incendie d'origine criminelle. Ah. Ok. Dans un commun. De toute façon, c'est Israël qui vend aussi, mais on s'entend pas avec Israël. Bon, on va devoir améliorer nos relations avec les États-Unis. Hein. Oh. Pas les États-Unis. En fait, j'ai envie de faire la bagarre avec les États-Unis. C'est pour ça que je suis en mode, hein, j'ai pas très envie, tu vois. Parce que les États-Unis, voilà, c'est pas mes amoureux, quoi. Donc on verra. C'est compliqué, hein. Je me pose la question. On a un sous-marin. On a un chasseur. Victoire! C'est ce qu'on voulait. Hop là, on va me détruire ça. Nous avons remporté la compétition. C'est incroyable. C'est un grand moment pour le sport de notre pays. Laissez-moi vous embrasser, car c'est une victoire collective. Nous aussi, au gouvernement, nous avons su mouiller la chemise. D'ailleurs, faut que j'y retourne, on va faire la teuf toute la nuit avec les athlètes. On va faire la teuf. Waouh, le langage des Jones, il maîtrise. Il maîtrise. On va faire la teuf. Le Brésil, canard. La Corée du Nord. Mauvais accord. Le contrat que vous venez de signer n'est pas mirobolant. Mais c'est pas grave. Moi je m'en fous. Je veux juste améliorer mon pays. Et quand on sera meilleur, quand on sera fort, eh bien là, vous direz pas ah, Francigue, c'était de mauvais contrats. Mais ben non, parce qu'on pourra faire une guerre. On pourra faire les guerres. On pourra mettre tout notre arsenal partout. Afrique, Asiatique, partout. Et on imposera la paix mondiale. Bon, je suis sûr que c'est pas énorme. Hein. Waouh. C'est sûr qu'avec un seul chasseur, on va pas aller bien loin. Ah, il y a un frégate nord-coréen là. Qui se déplace vers je sais pas où et qui est coulé. Ok. Pendant ce temps, ben on a nos navires de guerre qui arrivent. Qu'est-ce qui se passe? Sit-in. Je m'en fous du sit-in. Élection. Alors mon programme. Hôpitaux, on les a pas encore tenus. Et au niveau des effectifs de la recherche, mais on va le faire. Armée, santé, sécurité, transport. On va refaire parce que je sais que j'avais augmenté à 200 000, mais il faudrait qu'on l'augmente à 260 000. On va faire un petit peu plus. Voilà, hop. Je suis gentil, votez pour moi. Wouh! Au niveau de notre économie, on est à combien là? Oh là là, on a une belle économie, je vous jure. Magnifique. Ah! 25 milliards! Mais c'est énorme! Nos sportifs sont enfin prêts. Oh là là! Emploi, finances publiques. Ouais, c'est vrai que c'est bon pour l'emploi. Alors moi, je vais augmenter le nombre d'aéroports. Hein, parce que moi, je voudrais un petit peu plus d'aéroports. D'aéroports. D'aéroports.
report, voilà. D'aéroport. De grand trafic. Je voudrais avoir plus d'aéroports de grand trafic. Du genre... on a déjà ici. Du genre, moi je voudrais en mettre un là. On va mettre un moyen trafic aussi. Hop, 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 hop. Qu'on va le mettre ici. Transport. On va mettre tout dans l'arrêt, dans les aéroports. Dans les aéroports. J'ai du mal avec le mot aéroport. Ça s'entend en plus. Ici, on va en mettre un. Francis, ça sert à rien, ils sont à côté. Ouais, mais peut-être. Mais au moins, il y aura de plus en plus d'avions. Et moi, j'aime bien les avions. C'est beau. C'est beau quand on voit 1 milliard d'avions qui partent vers les pays. Hop là. Donc, on en a construit beaucoup. Je veux encore en avoir un de moyen trafic. Ok. Et je voudrais le mettre par là. Ensuite, bah on a Sao Paulo, hein, qui est important aussi comme ville. Donc aéroport, aéroport, grand trafic encore. Et me dire, Francis, oui, ça sert à rien, mais je m'en fous. Moi, je fais ce que je veux. C'est important. Je me fais plaisir. Hop là. On en met un là. On va encore mettre un autre transport. Moyen trafic. Si on va mettre trois aéroports, moyen trafic. Et deux. Mais là, il y en a déjà un. Donc là, ça va faire deux. Je vais mettre le dernier aéroport grand trafic. Là. Mais tu dépenses beaucoup d'argent. Mais non. C'est fou. C'est faux, c'est faux. Hop là. Et puis, ça permet aussi d'améliorer, avoir plus d'avions et plus de touristes et donc plus d'économies et donc tout ça, tout ça. Et oui, c'est intéressant. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'aéroports, mais aussi il y a tellement de villes là-dedans. Puis Sao Paulo, c'est tellement connu aussi. Allez, on va en mettre un ici, parce que bon, ils ont presque pas d'aéroport, eux. Hop là. Grand aéroport dans l'état de Rio de Janeiro. Ouais, ouais, plein d'aéroports. Je sais. On construit plein d'aéroports. Et aussi, c'est dans les villes les plus développées, hein, qu'on fait des aéroports. Gaspillage argent public. Bah non. Pas vraiment du gaspillage. Hein. On fait toujours la guerre, hein, nous en tout cas. C'est quand qu'ils vont à Pyongyang? Parce que bon, il faut aller à Pyongyang, hein. C'est pas moi qui va le faire tout seul, hein. C'est pas moi qui va faire Pyongyang, hein. Ouhou. Eh oui. Ils ont cru que c'était le Brésil? Eh ben non. Quoique. Allez à Pyongyang, vous. Qu'on puisse un peu en terminer cette guerre. Économie. Et en plus, on a une augmentation de la croissance grâce à tous ces aéroports. Bon, Corée du Nord. Hop, hop, hop. Ah, bah tiens, Israël arrive. Oh,
La Corée du Sud va aller où? Ah, elle va à Pyongyang. Wow. Et tous les tanks de Pyongyang se barrent. Waouh. Ils ont que des tanks. C'est tout. Voilà ce qu'ils ont comme artillerie, que des tanks. Bon allez, nous on se retrouve pour un prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Allez, ciao tout le monde.